il y a deux choses qui nous lient, c'est notre métier, donc la manière comment on exprime notre métier avec beaucoup de, je sais pas, de rigueur et avec un regard sur la tradition de nos métiers, toi comme peintre, moi comme sculpteur. Mais il y a aussi cette histoire de nos vies qui s'imbrique et qui, quelque part, en mettant les deux ensemble, ça raconte des histoires plus complexes que si on a juste la sculpture ou juste la peinture. Donc ton travail de sculpture sur le marbre, parce qu'il faut préciser, surtout le noir et blanc, surtout le marbre noir et le marbre blanc. Là où je suis dans le monochrome. Donc tu es dans le monochrome aussi, voilà, c'est ce que je voulais dire, en connexion avec ce que je fais moi maintenant, enfin ce qui m'intéresse maintenant, c'est le monochromisme, le monochrome. Oui, mais aussi cette, je sais pas, cette régularité du travail, je sais pas, ton travail prend du temps. Voilà, le temps de faire et de refaire et de revenir par-dessus. Je vois les couches, je monte, tiens, c'est jaune, tiens, je monte, c'est vert, tiens, je monte, et tiens, c'est ni jaune, ni vert, c'est bleu. C'est devenu bleu. C'est bleu, mais on voit encore des traces en dessous. C'est un peu comme dans mon travail. Il y a un bloc, et puis ça commence à émerger, et puis on voit les traces du bloc, les traces de mon travail, et puis progressivement, c'est le produit final Et on pourrait croire que toi tu enlèves et que moi je rajoute. C'est vrai, pratiquement, c'est comme ça que ça se passe. Quand je vois tes grattés. Alors là, pour les grattés, c'est encore autre chose. Là, c'est un peu, on est encore plus proche. On est encore plus proche dans les grattés. Sinon, c'est vrai, tu es plutôt dans le. Oui, mais la finalité. Mettre des couches pour faire émerger des choses en dessous. Voilà. Et toi, tu les enlèves pour faire émerger ce qui est en dessous. J'épluche la pierre, j'enlève des couches pour faire émerger des choses qui sont en dessous. Donc on est à la recherche de faire émerger quelque chose, tous les deux.
pour moi, c'était vraiment, je voulais, après aussi l'histoire de mon retour de l'Australie, on ne s'était plus vu pendant tout un temps, je voulais retrouver cette connivence, ce dialogue avec ton travail. Et donc c'est vrai que j'ai après adapté mes sculptures et leur lieu, surtout leur emplacement par rapport à où ça jouait le plus. Les blancs, donc la Vénus devant ce merveilleux tableau orange, ça lui donnait une lumière extraordinaire. Ouais, ça, c'est les teintes avec ce très 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 grand tableau rouge, ou les deux tableaux rouges devant, c'était, ça donnait une force à cette pièce, ou les grands dos devant ce très 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 grand tableau bleu, ça avait une force incroyable. Et puis en même temps, on pouvait voir chaque pièce séparément. Donc, tes tableaux et mes tableaux. Je trouve que c'est ça important. Qu'on dialogue et en même temps, on est là chacun, séparément et ensemble. Ah oui.